cet enchaînement de matchs aussi. Voilà, Ouais, Nîmes-Rouen, on non, le sait, hein, mais les matchs complètement. escanglettes, peut-être hier, au vu peut-être de cette rencontre, par exemple, contre Amiens, a levé le pied sur cette fin de match, Après, sachant qu'il jouait contre Rouen aujourd'hui. Ouais, oh, super! bon contre, un bon shoot, voilé. Ouais, entre les jambes, la Bien touche joué. de Cantagallo. Voilà, bien joué. Superbe, la table de Lionel Tarantino, un beau lancer. Bien joué, bon lancer. Vite, petit exploit personnel là, de Lionel Tarantino. Et on préfère, moi, alors ça c'est un peu perso, mais je préfère quand même le voir plutôt devant ce garçon qu'en position défensive. Je pense qu'il apporte plus d'impact et de poids offensivement qu'en défense. Bah, c'est quand même pas facile quand on n'est pas formé pour ça de. Ce cher défenseur. Ouais, attention, là il faut se parler là avec Voilà, on un coup de revient. Valdehardi, c'était dangereux ça. Bon. Ouais. Ross, Lursac qui va rentrer, il a un petit coup d'arrêt, il a raison, il remet au fond pour Jaros, et il est tout seul là. Voilà, on vient compléter et c'est récupéré. Il reste 35 secondes de supériorité. On va encore avoir une ou deux belles occasions. Ah, dommage. Allez, on fait tourner encore. C'est ça là qui s'est sacrifié face au tir de Jaros. Allez, il faut revenir Allez, devant. ouais, Allez, c'est Tarantino. bien. Ouais, Hey, le deuxième doublé de but. Lionel Tarantino. On a insisté. Voilà, Et voilà. il est rentré, il a attaqué la cage. Premier shoot rebond et puis le deuxième pas, son deuxième shoot qui rentre au premier poteau. Voilà. On est venu insister. Défenseur rouennais un petit peu passif. Ouais. Ils sont pas venus trop défendre sur le but. On en profite et c'est tant mieux. Ouais, un peu de manque Ouais. d'agressivité, hein, dans le bon sens du terme, bien sûr, hein, peut-être du défenseur gauche rouennais qui. Ben on le sait, hein, le gardien est là pour faire le premier arrêt. Les rebonds, c'est pour les défenseurs, on le dit assez souvent. Alors je pense que aussi. Allez, on va avoir 20 minutes décisives, hein, pour l'issue de cette rencontre, pour savoir qui sera attribué ce fameux point. Ben on va voir très vite si les Rouennais ils ont envie de revenir dans la game ou si ben, ils appuient pas trop. On va voir, on va Ouais, je vite pense être que renseigné. ce troisième but, enfin. Voilà, excellent Ouais. jeu. Et le Et but. voilà, le but de Thomas. 8 secondes de jeu. Clairement, 30 secondes, 3-1. Je vois pas comment la victoire peut échapper aux Anglais Non. ce soir. C'est une victoire. Ça sera une victoire dans tous les cas méritée en tout cas. Exactement, oui, Parce que ça complètement. a travaillé. Voilà. On n'a pas les mêmes On est très armes, mais sérieux. ça a Ouais, bien une bûché. équipe anglaise, hein, qui, Et comme on a. toutes les rencontres contre Rouen, ont été très solidaires, sérieuses. Très disciplinées avec Aaron là qui fait une petite obstruction sur Hardy. Ça n'aura pas d'incidence, bien entendu. Ouais, ça serait bien pour la soirée là de pas donner ce deuxième but. Ça rentrera pas ce soir. Ouh là, c'était vicieux, c'était vicieux à Tessier. Et là, c'est loupé. Ah, c'est fini par des Anglois. 3 buts à 1, bravo messieurs. C'est une belle victoire, un beau Ouais, match. très belle victoire. Exactement. Merci Alors, monsieur Tarantino. Merci il les Anglois. n'y a, Vraiment. y a pas une énorme Non. signification quand même dans Non, tout non, non. ça, mais Aucun. comme Aucune. quoi, un effectif un peu plus resserré. Des joueurs qui travaillent tous ensemble et en équipe, ben finalement on arrive à sortir quand même des choses vraiment correctes. Et ça fait plaisir. Ouais, non, et puis on voit là, voilà, ça fait du. Mais ça va faire du bien aussi avant d'attaquer ces play-downs parce Ouais. que il fallait sortir de la tête, hein, cette rencontre d'hier, la contre Amiens avec bon, une culottée, hein, 11 à 4. Donc c'est pas des scores qui reflètent la saison de l'Ormadi, clairement. Voilà, donc là aujourd'hui on a vu un beau visage de nos joueurs locaux. Je pense que les Rouennais, eux, ben, ça y est, il faut qu'ils pensent à la Ouais, bon, suite, hein, eux sont déjà en aucune mode incidence play-off, pour hein, eux, ils clairement. ont fait tourner aussi un petit peu le gardien, c'est pas le gardien titulaire. Exactement, on sait Bon. bien qu'avec Bintarik c'est jamais la même Voilà. musique. Mais il a fait un bon match aussi là, Duquesne, hein, clairement, il a fait sa partie. Non, il a fait sa Bon. partie, bien sûr. Il n'a pas toujours été aidé par ses coéquipiers, hein, sur les Ah, c'est Thomasino différentes phases là, de jeu. MVP. Voilà. MVP, oh non, c'est pas bien là.
ce que fait le public, c'est vraiment pas un joueur qui mérite. Non, c'est un chouette petit jeune, et on l'a vu toute la saison, hein, à chaque fois qu'il est venu ici, il a travaillé, il a patiné, bon petit coup de patin, jamais de mauvais coup, jamais rien. Alors qu'est-ce qu'ils vont mettre au niveau Angloy, Hardy, Tarantino, Lecoq. Tarantino, c'est sûr. Allez. Ouais, deux buts ce soir quand même. Deux buts et un bon match. Hein. Ah, Garcia. Oh, d'accord. Ah, c'est peut-être pour la symbolique. C'est pour la symbolique, exactement. C'est peut-être pour la symbolique, mais je vais pas raconter de conneries, mais toi, Tarantino, voilà, soir, aussi bien toi que moi. Au-delà des deux buts, hein, pour son travail. Hein, Non, il a bien bûché, comme moi, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu jouer comme ça. Et je l'ai vu jouer à sa position, je l'ai vu frapper, je l'ai vu marquer, deux buts importants, et faire du bon taf. Donc, complètement. C'est juste... voilà. Complètement. Après, on n'enlèvera pas aussi le match de Garcia, hein, qui, depuis son arrivée, de toute façon, à la patinoire de la Barbe, est un joueur très régulier dans sa performance et plutôt un très bon défenseur. Une belle pioche pour les Angloy. Donc, voilà, félicitations à lui. Félicitations surtout, je pense, à toute l'équipe. Hein, au travers de cette récompense, je pense que c'est clairement la récompense d'une équipe. 3-1. Ben, une victoire qui va faire du bien pour les Angloy et un point supplémentaire aussi qui va faire du bien pour distancer bien entendu cette dernière place, hein, synonyme de descente. Parce que on n'est pas à l'abri, on ne sait pas ce qui va se passer, on entend beaucoup de choses, descente, pas de descente cette année. Exactement. Nous on va attendre la fin de la saison, Pat, hein, on sait qu'il peut y avoir tellement de rebondissements. En tout cas, voilà, allez, ils le méritent les joueurs là, de féliciter leur public, de saluer le public. Ça fait toujours du bien de communier. En tout cas, je rappelle, hein, nous on va se retrouver maintenant parce que c'était la fin de cette saison régulière, Pat. Voilà. Exactement, dernier match de saison régulière. De ces 44 matchs. Voilà pour l'équipe d'Anglette. Et donc on va vous retrouver pour la poule de maintien en Anglette le 17 mars contre Briançon. Le 18 mars le lendemain contre Mulhouse. Et le 23 mars contre Nice. Voilà. Il nous reste à vous saluer. Vous passez une bonne fin de week-end. Et puis à très vite. Exactement. Merci beaucoup, chers abonnés fansite, et bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.